Et Virginie, encore du soleil aujourd'hui et même des records d'ensoleillement depuis le 1er juillet en Ile-de-France. Exactement, 177 heures et 56 minutes de soleil, c'est ce qu'on a eu pour cette première quinzaine de juillet. Et le soleil qui va donc continuer à briller tout au long de la journée, profitez-en. Quelques nuages, mais un temps sec, autre record d'ailleurs de sécheresse. Sur la période du 21 juin au 15 juillet, nous avons eu 0 mm de pluie. Et vous l'avez vu, pour aujourd'hui, encore un temps bien sec. Bonne nouvelle quand même pour les vacanciers avec du soleil au rendez-vous. Des températures un petit peu juste ce matin, 8 à 14 degrés. Ça va bien grimper dans l'après-midi, mais en attendant, on se couvre surtout à Sacla. On dépasse à peine les 8 degrés, tout pile 10 degrés du côté de Pontoise, 12,3 à Trappes, 13 à Melun ou encore quasiment 14 degrés du côté de Paris. Regardez la belle évolution dans l'après-midi. Rien à signaler côté ciel, des conditions toujours anticycloniques avec le maintien de ce soleil très généreux et ça va contribuer à faire grimper le mercure de 26 à 28 degrés au meilleur de votre journée. Température à l'ombre, je vous le précise, forcément exposé au soleil, un ressenti encore plus chaud que ces 28 degrés que vous aurez du côté de Créteil ou encore de Paris. 27 pour Mantes-la-Jolie, 26 degrés attendus à Saint-Denis mais aussi à Melun. Aujourd'hui en tout cas nous perdons 2 minutes d'ensoleillement par rapport à la veille. Le soleil se couchera donc à 21h48 et nous fêtons les Carmen en ce mardi 16 juillet. Bonne fête à toutes les Carmen. La suite du programme pour la fin de la semaine, Virginie. Les conditions toujours très calmes, pas de pluie à l'horizon ou peut-être 2-3 gouttes par-ci par-là puisqu'on a quelques nuages qui vont s'inviter pour la journée de jeudi. En attendant demain encore une très belle impression de beau temps, d'autant que le thermomètre va encore grimper jusqu'à 30 degrés au meilleur de la journée. Baisse des températures mais plutôt de saison quand même, 25 degrés c'est plutôt agréable pour votre jeudi avec, je vous le disais, quelques passages nuageux, ciel variable à noter aussi pour votre vendredi, samedi et dimanche. Belle alternance entre nuages et éclaircies et thermomètre en hausse pour votre week-end. Vous allez pouvoir ressortir les lunettes de soleil, encore une fois les garder à proximité et profiter des terrasses parisiennes ou peut-être même du festival Lollapalooza pour votre week-end. Profitez-en.